petite astuce concernant les côtes. J'ai ici un rectangle qui est coté, donc je vais pouvoir le déplacer puisqu'il n'est pas fixé, mais impossible de modifier les dimensions, sauf si je passe par les côtes. Moi, je trouve plus pratique de modifier comme ça en live, quoi. Donc, ce comportement est possible en allant dans le menu Outils, Paramètres d'esquisse et en activant Modifier les côtes pendant l'opération de glisser-déplacer. Ce qui fait que maintenant, je peux, en faisant glisser ma géométrie, modifier les côtes. Pour revenir à un comportement normal, il suffit que je retourne dans Outils, Paramètres d'esquisse, Modifier. Je décoche. Et là, je retrouve un comportement standard. Alors, je retrouverai ce type de comportement dès que j'aurai aussi fermé SolidWorks. Il est possible, par contre, de faire de ce comportement le comportement par défaut en allant dans le menu Outils, Options. Donc, on va aller dans Options du système, Esquisse. Et nous cocherons modifier les côtes pendant l'opération glisser-déplacer. Le comportement sera donc ainsi en standard.